Et salut à toi YouTube pour cette découverte de map TMGL, Launchpad. Alors c'est un peu bizarre parce que la map est sortie avant la TMGL. Elle est sortie juste après la TMGL Challenger. Donc on a un petit peu de temps pour tester ça. Je pense une vingtaine de minutes, on va jouer ça. Et c'est parti. Pas de record, bah ouais. Bah... Tu m'étonnes. Normalement la map est pas sortie, donc go. Pardon. Et ouais, désolé pour ma voix, j'ai un peu, je l'ai un peu cassé pendant la TMGL Challenger, pour ceux qui ont vu, du coup. En espérant que ça aille mieux, mais... je sais pas ce qui s'est passé. Ok, du coup, cette map-là qui a été faite par Tona, donc Nadeo, qui a l'air d'utiliser énormément de custom blocks. Ça me surprend un petit peu. Bon, on sait que Tona aime bien les custom, mais... Wow. Est-ce que j'ai pas raté une fastway? Non, je pense pas. On a de la glace. On a pas souvent de la glace comme ça. Après, c'est pas vraiment des counters. Ouh. Touch. Je suis dans le décor, là. Ok. Voilà, j'ai le son un peu moins fort parce qu'en cast je mets moins fort. Hop. Ouais, ça c'est spécial là. Ok. Oh non. Mais non. Ah bah Launchpad, j'ai la ref. Ça a l'air faisable. Par contre, est-ce que c'est pas mieux de skip? Oh. Est-ce que c'est pas mieux de skip le ring jaune? Je pense pas. Bizarre, mais plus. Bah disons que ça me rappelle un petit peu la première map TMGL. Je sais plus quelle map, mais... La première map TMGL, Fly quelque chose. Flyback, ouais, c'est possible. Ouais, moi je suis pas fan de Storm. Ouais, t'as pas assez de réacteurs en fait. Ok. Mais du coup, tu peux profiter du réacteur pour le flying lap? Ça, j'ai pas remarqué quand je l'ai joué avant. Ou y a un reset que j'ai pas vu? C'est W, hein, juste. Ouais. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais. Non, je pense qu'il y a un reset invisible. Non, pas rentable ça. Ouais, faut garder la 5 tout le long, je l'avais pas fait avant. Mais là je suis trop.
Ah ouais, il y a un reset ici. Mais on le voit pas. Ah ouais, bah il y a ça. Ok, ok. Donc ouais, c'est mieux d'aller chercher le jaune, je pense, quand même. Je sais pas quoi en penser. En fait, ça dépend si des strats sont trouvés pour que ce soit régul. J'ai l'impression que tu peux pas vraiment full speed, parce que sinon le jump te casse un petit peu ta trajectoire. Et là, obligé de release, on arrive un peu vite. Et là, je sais pas, je pense qu'il faut pas counter, mais... C'est un peu surprenant. Donc là, il faut garder la cinquième tout le long de ce turn-là. Et je l'ai raté, typiquement. Oh putain! Alors que là j'ai quasi full release! Ah ouais, si tu rates, si t'en rates un. Les maps de Tona, trop high IQ? Je trouve ça va encore. Donc c'est un peu un remake d'une identité qu'on avait déjà, quoi. Ah, je pense que ça va être un truc comme ça. Bon, j'ai eu un bon premier lap. Enfin bon, sans erreur, sans grosse erreur. Merci beaucoup. Please cover me. Tattoo. Merci beaucoup pour le T1, qui fait très plaisir. Oh, le Prime, pardon. Ah, la gear a fait un truc chelou, mais... Est-ce qu'on peut avoir un clean lap? De justesse la fin. De justesse. Merci Lucky Louis pour le prime. Ah, la fin j'ai un peu tremblé. Mais en fait j'ai toujours peur d'être trop haut pour le deuxième ring. Le deuxième ring CP. On va pas essayer de perdre le plus de vitesse possible avant de sauter pour retomber plus vite. Ouais, c'est exactement. Bah, c'est pour ça que je release avant. C'est exactement pour ça que je release avant. Le truc, c'est que tu dois quand même avoir un minimum de hauteur, donc tu peux pas complètement freiner, surtout que c'est des turbos rouges.
Donc assez dur après shot la speed que t'auras. Mais je release avant. Normalement on le voit sur... on l'a vu sur le pad. Je sais pas si on l'entend à cause des turbos rouges, mais... Là j'ai release avant de sauter. Après tu dois quand même avoir la hauteur pour passer là-dedans. C'est compliqué. Mais j'ai eu un bon first lap. Honnêtement j'ai envie de rejouer la map. Hein. J'ai pas de WR aspect donc... Bon. Non elle est entraînante la map. Après on voit que c'est pas du... C'est pas la communauté quoi. C'est une map faite par Tona. Il y a moins d'originalité que des maps comme Keisla ou des gens qui mappent très souvent pour la TMGM. Joyeux Halloween. Ça va vous, Loul? Je sais pas, il y a une vibe différente, c'est vraiment... Je sais pas, c'est bizarre. Oh le zoop. Oh dommage. Mais tu vois là j'étais trop bas et du coup je peux pas passer en diagonale dans le CP. Donc c'est pour ça que je peux pas release plus. Moi j'aurais personnellement mis un CP dans le réacteur jaune. Parce que je me demande s'il n'y a pas une strat où... T'arrives à zoop avec le réacteur rouge sur le sol. Et du coup éviter ce réacteur, je sais pas. Ça dépend de combien de temps on garde en fait. Faudrait que je try une fois. J'ai envie d'aller essayer. Bon, à part ça, on dirait... Alors, je vais vous le dire. On dirait que c'est un bon temps. Mais les gars, j'ai... Je release partout. C'est de la merde. Je pense qu'ils feront 2-0-7 les gens. Bah, je vois comment je joue, bon peut-être. Non j'avoue, j'abuse un petit peu sur
7 secondes, ça fait 3 secondes et demie par là. J'abuse peut-être un petit peu, mais... C'est pour imager. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'on peut pas faire ça? Pas vraiment. Peut-être pour le last lap. Vous voyez ce que je veux dire? Last lap, ça peut être intéressant. Parce que t'as pas besoin de la speed pour après, et du coup, niveau travel time, tu gagnes pas mal de temps. De toute façon, il faut freiner ici. Oh shit. Je crois que j'ai perdu le réacteur. Non. C'est la nouvelle map, tout à fait. C'est la nouvelle map pour la semaine. Alors... C'est la nouvelle map pour la semaine prochaine. Là, on est un peu dans les actus aujourd'hui. Ouais, dommage. Oh, j'ai perdu la gear. Incroyable. Peut-être un wall hit. Ouah, c'est chaud quand même. Par contre, ouais, j'aurais peut-être vu ce truc un peu plus haut. Faut laisser de la marge d'erreur. Vous voyez, là, on passe large au-dessus. Pas trop différent de ce qui se fait en TMGL. En fait, c'est une map de Tona, tu vois. Du coup, c'est un peu... C'est style Nadeo, là. Je sais pas comment expliquer. Mais en général, les maps... de ce type là sont un peu moins appréciés. C'est un peu plus brut et moins travaillé, avec tout le respect que j'ai pour Tona, un peu moins travaillé et moins pro que les maps de Keisla, Firestorm, etc. Ouais, je dirais brut, je pense brut c'est le bon adjectif. Moi, je pense une fois moins bien calculé, non, mais
Ouais, peut-être moins bien calculé. Mais c'est moins calculé et c'est voulu. C'est assumé. Oh non, c'est sad. C'est sad. Bah, j'ai voulu trop pré-shot en fait. Alors, j'avais juste à faire ça. Yeah, they released the map for the next for the step number 4. Bon, très bien. Eh ben, YouTube, on va se quitter sur ce magnifique fail. C'était donc la découverte de Launchpad. Et honnêtement, après l'avoir joué un petit peu là, je prends du plaisir à la jouer. Deux dispositifs du coup. Ouais, 2-0-7. Ah, j'ai call le 2-0-7, mais bon. Je sais pas. J'avais moins 2 secondes. Plus le hard fin. 13 pour sûr. Ouais, je pense gagner 2 secondes sur le hard fin, donc j'aurais fait un 2-11. Et je pense qu'avec la vitesse des joueurs, ça peut descendre à 2-0-9. Même 2-0-8. Ah, je sais pas. C'est trop dur à call maintenant. Mais là, vu que je l'ai un petit peu joué, je peux voir des trucs, mais... Bon, bref. Bah voilà. YouTube, n'hésite pas à me dire si t'as apprécié cette découverte, à liker la vidéo et à t'abonner, tout simplement. Des gros bisous, à très bientôt, YouTube.